أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Chers invités, mes chers frères et chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous venons d'écouter un sujet de très grande importance par M. Arif, Asif Arif, une personne intellectuelle, une personne écrivain qui a bien élaboré ce sujet. Maintenant, il y a un deuxième sujet qui est aussi très important. Le sujet qui m'a été assigné cet après-midi est le concept islamique de djihad. Une fois de plus, le vendredi passé, nos calendriers ont flashé la date du 9 septembre. Depuis le début de ce nouveau millénaire, chaque année, lorsque les cloches du 11 septembre résonnent à travers les quatre coins du monde, les attentats suicident dramatiques, horribles et condamnables se font ressentir de nouveau et font revivre des sentiments de terreur, d'horreur, de panique et d'angoisse. Aujourd'hui, certains accusent l'islam de terreur. Ils déclarent haut et fort que ces attentats perpétrés sont des exemples pratiques des enseignements de l'islam. En vue des incidents de ce genre, on présente l'islam comme une religion de mascarade sans pitié et on déclare que l'islam est une religion d'intolérance qui viole les droits de l'homme et ne respecte pas la liberté d'opinion. On déclare sans aucune ambiguïté que l'islam encourage les kamikazes ou les attentats suicides, même au prix de vie humaine, dont les victimes sont des aînés, des femmes, des enfants et des innocents. Dans les rues ressonnent fort des haut-parleurs, des clergés soi-disant musulmans, même vrais musulmans, qui essaient d'assurer que le paradis rempli des moyens de luxe inimaginables ouvrira ses portes pour des musulmans qui n'hésiteraient pas à verser le sang des infidèles. Les médias le montrent alors qu'ils crient Allahu Akbar et sans une moindre hésitation et sans pitié aucune, ils tranchent la tête des journalistes, des écrivains ou même des médecins. Ainsi, ils éliminent les vieillards ou des jeunes dont le seul crime est de pratiquer ou de s'affilier avec une religion autre que l'islam. Mais c'est vraiment malheureux que tout se passe au nom de la religion, et surtout au nom de l'islam. C'est davantage épouvantable que même certains musulmans, par leur propre bouche ainsi que par leur acte, démontrent qu'effectivement l'islam prône la terreur. Les médias modernes présentent des exemples horribles de quatre attentats suicides du 11 septembre appelés 9-11, en anglais, et disent voici l'exemple pratique et le vrai visage de l'islam. Ici, nous devons faire mention d'un point de très grande importance de nos jours. Il est à la mode que tout incident de terrorisme manifesté dans n'importe quel endroit ou dans n'importe quelle situation est attribué systématiquement à l'islam et aux musulmans. Il est étonnant de constater que si les terroristes appartiennent à d'autres religions ou d'autres croyances, ils ne reçoivent pas les mêmes accusations. Par exemple, des bombes atomiques larguées à Nagasaki et Hiroshima, les bombes en Afghanistan et en Irak, mais personne n'ose les étiqueter comme terrorisme. En Inde, on fusille les Cachemiris, mais personne ne fait la moindre indication de cette terreur
envers l'hindouisme. Mais si un musulman commet un acte pareil, horrible et condamnable, bien sûr, alors sans poser une quelconque question, on n'hésite pas à condamner l'islam et à la communauté musulmane. Mes amis, n'est-il pas injuste que nous suivons aveuglément les médias, soi-disant modernes et civilisés, et que nous en voyons berner? Ainsi, cette accusation d'usage de force pour convertir les autres religions en islam est archi-faux. Car ce concept de mascarade injuste n'est nulle part soutenu par le Saint-Coran, par d'autres enseignements islamiques, ou par l'histoire initiale de l'islam. Mes amis, sans doute c'est injuste de la part de la communauté internationale d'accuser l'islam et les musulmans, alors sans aucun doute, il est aussi un acte condamnable et injuste des musulmans qui interprètent le terme djihad pour massacrer les non-musulmans, surtout les innocents. Mes amis, le terme djihad fait partie des enseignements de l'islam, et les conditions de la pratique du djihad sont expliquées avec tous les détails nécessaires dans le Saint-Coran et aussi dans les traditions islamiques. De ce fait, une question se pose: pourquoi aujourd'hui un musulman ou un non-musulman interprète le djihad comme un acte de guerre ou de tuer toute personne infidèle? Si seulement il refuse d'accepter l'islam. La signification étymologique du terme djihad est aussi une preuve solide que le djihad ne signifie pas forcément la guerre ou combattre quelqu'un avec la force. Le lexicon de Tajul Urus, un dictionnaire arabe, dit « Le terme djihad est dérivé du mot djohad », ce qui signifie d'endurer les entraves. Cela indique aussi de ces gens de s'engager complètement et sincèrement pour accomplir une mission et de ne épargner aucun effort. À la lumière du Saint-Coran et les hadiths, le djihad se divise en quatre catégories. Le djihad contre le Satan et contre sa propre personne. Le djihad par le truchement du Saint-Coran, c'est-à-dire propager le message de l'islam, et troisièmement le djihad avec ses propres biens, et quatrièmement le djihad avec l'épée, ça vient en quatrième place. Par rapport au djihad contre le Satan et contre sa propre personne, le Saint-Coran dit « Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana » et quant à ceux qui font des efforts pour notre cause, nous le dirigerons assurément sur nos voies. Ensuite, le Saint-Coran dit « Falatotil kafirina wa jahidhum bihi jihadan kabira » Ici, Allah parle du Saint-Coran. On constate ici que le terme « djihad » n'a rien à voir avec la guerre ou avec l'agression. À un autre endroit dans le Saint-Coran, Allah nous enjoint « N'obéis donc pas aux mécréants, mais engage contre une grande lutte par le moyen du Coran. » Maintenant, le Saint-Coran, c'est un livre, ce n'est pas une arme. Comment vous pouvez combattre avec un livre et après vous allez dire ça, c'est du terrorisme? Nous venons du djihad. Le Saint-Prophète, dans un hadith, il dit, après, lorsqu'il revenait d'une bataille, il disait, nous venons de djihad mineur. Ça veut dire combattre physiquement, c'était un djihad mineur. Pour passer au djihad majeur, c'est quoi le djihad majeur? Et il lui aurait dit, existe-t-il un djihad plus important que celui-ci? Les compagnons pensaient que peut-être c'était ça le vrai djihad. Il répondit, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, oui, c'est le djihad fait à son âme charnelle, que vous devez vous travailler pour votre personnelle réforme, c'est ça le meilleur des djihads. À cet égard, le fondateur du mouvement Ahmadiyya en islam présente un raisonnement extrêmement logique. Il dit, s'il avait été la volonté divine que la guerre serve un moyen d'épanouissement de l'islam, alors durant l'époque du Mahdi,
Les musulmans, c'est l'époque que nous croyons que c'est actuellement, nous sommes dans l'époque de Mahdi. Les musulmans auraient dû être les plus doués dans les armements de la guerre et devraient maîtriser les arts de guerre plus que tout le monde. Mais nous constatons le contraire, que ce sont des nations occidentales qui sont bien distinguées comme les puissances militaires. Et ils sont bien réputés aussi pour les inventions des équipements militaires, que ce soit des équipements de genre avions de dévastateurs de combat ou de frégates marines équipées de toutes sortes. Et toutes ces choses, les musulmans ne possèdent pas, ils ne maîtrisent pas. Aujourd'hui, aucun pays islamique ne peut même pas oser à revendiquer la maîtrise en question. Ceci montre que ce n'est même pas le plan de Dieu que l'islam soit propagé à travers les moyens militaires ou de guerre. Plutôt comme le Messie premier, l'Assalam, a averti tous les musulmans, le fondateur du mouvement, il a averti tous les musulmans en disant, et c'est en ourdou, après je vais traduire ça en français, « Je hukum sun ke bhi jo ladaai ko jaega, wo kafiron se sakht hazimat uthaega. » Qu'après avoir écouté ce commandement d'interdiction de guerre, si un musulman s'engagerait dans une guerre pour les buts religieux, une défaite manifeste lui serait garantie. Ça veut dire que si les musulmans, malgré tout cela, ils s'engagent dans la guerre, le fondateur du mouvement dit que vous allez avoir une défaite sûre. Le monde peut témoigner aujourd'hui que ce que le fondateur du mouvement avait dit, c'était une vérité, que depuis la déclaration de cet avertissement, les pays musulmans n'ont vu que les défaites et les catastrophes. Partout, vous voyez, dans les pays musulmans, il y a seulement les défaites, s'il y a des guerres non religieuses surtout. Malgré leur désir et leur effort, ils n'ont pas pu occuper. Il ne reste qu'un petit centimètre de terrain des autres religieux. Ça montre que ce que le fondateur du mouvement avait dit, c'était juste. Ce n'est pas une époque de guerre religieuse actuellement. C'est ce que le Messie promis, le fondateur du mouvement, a dit. À ce sujet, le Khalifatul Messie, le premier calife de l'Ahmadiyya, a dit, lui aussi, il avance un argument très logique et il dit, nous ne trouvons aucun exemple dans l'expédition militaire du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il aurait converti une seule tribu ou une seule famille par la force. Sir William Muir témoigne avec une franche clarté que parmi les milliers de musulmans de la Médine, aucun n'avait été converti en islam par la force. C'est une personne qui cherche les défauts dans l'enseignement de l'islam, généralement, Sir William Muir. Mais il était obligé de témoigner cet aspect. Il en fut de même à la Mecque, même parmi les grands sultans, comme Mahmoud Ghaznavi, Saladin ou Aurangzeb. Les histoires authentiques ne mentionnent aucun exemple où une seule personne et était converti en islam par la force. D'ailleurs, nous observons qu'il avait même placé les non-musulmans au poste bien distingué. Pour comprendre le vrai concept du djihad, nous devons garder à l'esprit le fait suivant. Les enseignements de l'islam mentionnés dans le Saint-Coran se divisent en deux catégories. Il y a des enseignements qui sont des permanents et que nous devons obéir à ces enseignements et nous devons pratiquer ces enseignements tout le temps. Et il y a des enseignements que nous devons pratiquer sous certaines conditions. Le djihad, djihad avec l'épée surtout, est un enseignement que nous devons pratiquer si les conditions sont réunies. Mais actuellement, on peut dire clairement que les conditions ne sont pas réunies pour le djihad avec l'épée. Et comme ce n'est pas le djihad de premier degré en plus. Ainsi, l'enseignement du djihad est une partie intégrante de la vie
d'infidèles. Nous devons comprendre que djihad, c'est une chose très importante. Tandis que le concept de djihad, généralement compris par beaucoup de musulmans et non-musulmans, n'a rien à voir avec la réalité. On comprendra le vrai concept lorsque on réalisera que tous les prophètes passés, sans exception aucune, avaient mené le djihad. Le djihad, si on comprend bien, tous les prophètes passés avaient mené le djihad durant toute leur vie. On étudia la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, on réalise qu'il initia son djihad dès le début de son enfance et ce djihad dura jusqu'au dernier souffle de sa vie. Mais comment il a pratiqué ce djihad? Sans doute, c'était le djihad qui animait les offices religieux du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fois qu'il priait, c'était aussi un djihad, plutôt un grand djihad. Dans le Kavira ou ailleurs, d'une telle allure dynamique que même les anges applaudirent instinctivement. Ce djihad montra sa vivacité, même lorsqu'il priait et communiquait tout seul avec son Dieu dans la cour de Kaaba. Il était seul, il priait là-bas, personne n'était à côté de lui, donc ça montre aussi que c'était un djihad. Ce djihad manifestait aussi lorsque à Taïf c'était une ville où les gens avaient lancé les pierres sur lui. Des Taïfains commencèrent à lancer des pierres sur lui. Il s'y trouvait sans ressources et il a dû ainsi prendre une douche du sang. De tête à pied, il était dans le sang. N'est-ce pas un véritable djihad? Lorsque, malgré sa souffrance incroyable et insupportable, il commença à prier pour ses antagonistes, les gens qui étaient en train de persécuter, et supplier à Dieu en disant « Oh mon Dieu, guide mon peuple, car ils sont des ignorants. » Donc, ça veut dire que le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, croyait que djihad, c'est pas pour prendre la vie de quelqu'un. C'est plutôt pour donner la vie pour quelqu'un. C'est ça qui était le djihad. Et aujourd'hui, les gens comprennent à l'envers qu'il faut prendre la vie des autres. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Non, il faut donner ta propre vie, non pas pour prendre la vie des autres. » Lorsque dans l'état misérable sous-mentionné, il trouva un esclave de Utba et de Sheba, tous les deux étaient grands antagonistes contre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui portait une assiette remplie de raisins. Il était fatigué, il avait besoin de se rafraîchir. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu de se rafraîchir, ce dont il avait grandement besoin, il commença à lui expliquer sa mission divine. Quel grand djihad! Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam observait, lorsque tous les grands chefs mécois engagés se rendirent chez son oncle et proposèrent à lui offrir la plus belle fille arabe de son choix. Ils offrirent aussi la quantité de richesses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pourrait désirer. Il avait aussi dit qu'il était prêt à lui désigner comme le roi. Ça aussi, c'était offert. Mais une seule condition, qu'il abandonnerait ses activités et sa mission contre leur idole. Là, son esprit de djihad intervint de nouveau et il répondit. Comment il répond? Il dit que même s'il poserait la lune sur sa main droite et le soleil sur sa main gauche, il n'abandonnerait jamais la mission lui assignée par Allah. Donc c'était ça son djihad, de transmettre la mission ou accomplir la mission qui lui avait été assignée. Son djihad prit une nouvelle ampleur lorsque, durant son immigration de la Mecque vers la Médine, il se protégea dans le cave Sor. Son djihad arriva à sa culmination durant ses adorations lorsque, à force de rester debout, ses pieds s'enflaient. Mais non, son amour pour son Dieu lui donnait le plaisir de continuer. C'était ça le djihad. Bref, ce djihad ne prit fin lorsqu'il avait été appelé par son Dieu. Les fidèles avaient leurs yeux remplis de larmes, mais lui, il disait, vers le compagnon le plus haut. C'est-à-dire, quand mon djihad prend fin ici, ça veut dire toute la vie, il a fait le djihad. Quand mon djihad prend fin ici, je m'en vais.
maintenant vers mon Seigneur et mon bien-aimé qui est le plus haut. Donc, il y a beaucoup d'aspects que nous devons comprendre à propos de djihad. Djihad, c'est quelque chose qui est mal connu dans notre société, dans les médias aujourd'hui. Mais à la fin, je vais vous dire qu'est-ce que le Messie premier, il dit à propos de djihad. Qu'est-ce que nous devons faire? Quelle est la position de l'Ahmadiyya à propos de djihad? Le Messie premier, il dit... Il dit que désormais, celui qui tire l'épée contre un non-musulman et puis se donne le titre d'un combattant au nom d'Allah, il ira à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la position du fondateur du mouvement Ahmadiyya, qui avait prédit, et ça veut dire le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait prédit il y a maintenant plus de 13 siècles qu'avec l'avènement du Messie premier, sallallahu alayhi wa sallam, tout djihad avec l'épée prendra fin. Ainsi, avec mon arrivée, je vous dis ceci, ça veut dire le fondateur du mouvement dit, je vous dis ceci, nous avons hissé le drapeau blanc de réconciliation de paix. Je voudrais mettre au clair à tous les musulmans, les chrétiens, les hindous, ainsi que les arias, que je n'ai personne comme mon ennemi. J'aime l'humanité tout entière, plus qu'une mère affectueuse et passionnée qui aime ses enfants. Il dit encore, la mission pour laquelle Dieu m'a suscité et que j'astique la turbidité et qui avait vilipendé la relation entre Dieu et l'homme, c'était ça la mission de M. Premier de cette instant, et qu'après l'avoir purifié, je rétablisse de nouveau cette relation d'amour et de sincérité. Et à travers la manifestation de la vérité, je bannis ainsi la guerre religieuse et fonde une réconciliation. Pour le djihad de l'épée, actuellement les conditions ne réunissent plus. Il nous a été commandé que nous devons nous préparer contre ceux qui rejettent le message de l'islam, conformément aux attaques contre nous. Nous ne devons jamais tirer nos épées tant que l'on ne nous tue pas et on ne nous empêche pas de pratiquer notre religion de ce fait. Il dit, face à cette situation, cette gravité de la situation, il nous incombe une éducation morale de tous les membres de notre société. Nous devons méditer et analyser sur tous les moyens pour bouter cette haine et racisme hors de la frontière de notre planète. Nous devons le faire car c'est la haine religieuse et raciale qui divise notre société et détruise sa paix sociale. Qu'Allah nous protège contre ces genres de turbidité et ces genres de désordre dans la société et que nous puissions établir la paix à travers le monde et que nous arrivons à faire comprendre le message pacifique de l'islam qu'Allah fait ainsi. Merci beaucoup.